Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver. J'ai plus fait de vidéos depuis extrêmement longtemps. Je bosse et ça me prend trop de temps. Donc là, je suis en vacances depuis hier et je vais faire plein de tutos au mois d'août. On va commencer aujourd'hui par un petit tuto rapide. C'est un accroche torchon. Vous mettez au four, vous mettez sur votre accroché à vos placards. Enfin, je trouve ça très mignon, très utile surtout. Vous voyez, je vous l'ai montré sur la photo de présentation. Et vous allez voir, c'est très très simple en fait à faire. Il suffit de faire un rectangle. Hop, ici. Un rectangle au crochet avec une petite espace pour faire entrer le bouton, vous voyez. Très simple, pas plus, il n'y a pas plus simple que ça. Donc par contre, on va avoir besoin d'anneaux en bois. D'accord? Vous le trouvez n'importe où, moi je le trouve chez Ziman ou bien chez Cultura. Du coton de votre choix. Celui-là, je l'ai acheté chez Hobby. Un beige ou un gris parce que j'ai des commandes pour ce modèle-là. Des petits boutons. Un petit. Pas très petit en fait. Je les ai commandés sur AliExpress. J'aime bien le bois. Je trouve ça très joli. Ça va très bien avec le. Vous pouvez prendre plus clair. Après, ça, c'est vous qui voyez. Donc, vous voyez, on va enchaîner une chaînette en prenant l'anneau. On va juste monter 15 mailles, 20 rangs, et ensuite on fera une boutonnière qu'on passera comme ça. Et là, on viendra fixer notre bouton. Hyper simple, hyper rapide, vraiment un tuto d'une grande rapidité. Et vous allez voir, ça va faire très très sympa dans votre cuisine. Moi j'ai bien aimé, j'en ai mis sur mon four, j'en ai mis un petit peu de partout. Adapter le coton, la couleur du coton ben, à votre intérieur. Et le bouton, ben, pareil. On y va pour le tuto? Ah oui, il va falloir, bien sûr. Donc je vous ai montré le coton. Toujours adapter le crochet à votre coton. Moi par exemple, ça se voit, oui, c'est du 3. Parce que c'est un coton assez fin, mais vous regardez bien sûr pour adapter. Beaucoup me demandent quel crochet je prends. En fait, je ne peux pas tellement vous renseigner à ce sujet parce que vous adaptez votre crochet à votre coton. D'accord? Donc vous regardez derrière, là c'est du 2,5, 3,5. Donc on va, moi j'ai pris du 3. Je prends toujours au milieu. Ok? Et puis une petite aiguille. Alors, pas une aiguille Allen parce qu'elle entrera pas dans le trou du bouton. Donc une aiguille plus petite. On est parti? Allez, on y va. J'en ai fait 12. Il nous en manque 3. 12. 13. 14. 15. Ok, bon, après, comme je vous ai dit, si vous voulez quelque chose de plus grand, vous faites plus large. Au lieu de 15, vous en faites 20. Tout dépend. Moi, je vous donne les dimensions, les mesures de celui que j'ai fait. D'accord? Une fois qu'on a nos 15 mailles serrées, ben, on va faire le corps. Ce sont que des mailles serrées. Le point n'est pas compliqué. Donc on fait une maille en l'air et on tourne le travail. Donc là j'ai une, vous voyez, c'est ma maille serrée, ma maille en l'air que j'ai tournée. Et ça c'est celle du rang précédent. Donc on va piquer dedans. On va piquer dedans. Et on va faire une maille serrée. Dans la prochaine, une maille serrée. Dans la prochaine, une maille serrée. Voyez où est votre maille, elle est là. Donc quand vous piquez,
voyez, vous la prenez comme ça. Une maille serrée. Très simple. On continue, maille serrée jusqu'au bout. Voyez, là je l'ai mal prise, je me reprends. Des mailles serrées. Là, il y en a une. Maille serrée. Maille serrée. Et n'oubliez pas la dernière que vous allez avoir. La première, un peu de mal à aller chercher. Vous voyez, il en reste une. Elle n'est pas top à attraper. Si vous êtes embêté, j'ai une petite astuce où mon aiguille, elle est là. Hop, voilà, on la soulève. Après, vous allez arriver à l'attraper, c'est juste la première. Attendez, hop, on va y arriver. Et oui, c'est compliqué. Elle est toujours très dure. Et voilà, hors caméra, j'y suis arrivée. Donc nous avons nos 15 mailles, d'accord? On va faire une maille en l'air et on tourne. Mais là on fait pareil. Que des mailles serrées là, ça sera beaucoup plus simple. Hop. Et là vous voyez la maille. Vous voyez le V où il est? Vous prenez bien sûr les deux brins. Hein. Voilà. On continue. Que des mailles serrées. Alors après, vous pouvez faire des brides, des doubles brides, faire un rang de mailles serrées, un rang de brides. À vous de composer le corps de votre. Moi, je vous montre celui que j'ai fait. Et puis, il est très facile. Alors, j'en ai fait cadeau à tout le monde, ma mère. Tout le monde a voulu des accroches torchons. On va jusqu'au bout. Et là, vous voyez, il en reste deux. Hein. On voit bien une et deux. Vous voyez, une et deux. L'essentiel dans cet ouvrage, que vous ayez fait 15, 16, 17, 20 mailles, c'est que tout le long, vous ayez le même nombre. Donc si vous en avez fait 16, vous montez 16, faites 16. Si on avait 17, mais au moins c'est régulier, un travail régulier et pas qui est plus large après qui revient. Quand on a fini le rang, bah c'est pareil. Oups. Quand on a fini,
Eh bien, c'est pareil. On fait une maille en l'air et on tourne le travail. Et là, la première maille, là, c'est la maille en l'air. Là, le premier espace, c'est la première maille. Et là, ben, on repart. Et on fait que des mailles serrées. Tout le long. Vous voyez, c'est très très simple. Le plus dur, ça va être de faire autour de l'anneau. Enfin, le plus dur, voilà quoi. C'est au niveau des mains et d'attraper la maille, c'est pas tout le temps évident. On continue. Et on va aller jusqu'au bout. Que des mailles serrées. J'ai reçu plein de messages gentils sur le tuto des tortues. Vous me prenez en photo vos tortues, vous me les montrez, vous me les envoyez sur ma page Facebook. Taillez ces bouts de laine, elles sont super mignonnes. Et là, il nous en reste deux de mailles. Et la dernière. Une maille serrée. Vous voyez, ça commence à monter, c'est régulier. Ben là, on continue. On va faire une maille en l'air et on repart. Et en fait, vous allez faire ça 20 rangs, pendant 20 rangs. Et en fait, vous voyez ces bandes là, ben ça équivaut à 2 rangs en fait. D'accord? Donc, on monte 20 rangs ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 1 rang. Deux bandes en fait. Je vous reprends quand on a fini les 20 rangs. A tout de suite. Une fois qu'on a tous nos rangs de fait, vous avez vu comme c'est régulier, comme c'est droit. J'ai monté 15 mailles et j'ai fait 15 mailles tout le long. Voilà, quel que soit le nombre, il faut que ça soit bien droit. Vous voyez, donc on a 20 rangs. Moi, j'en ai fait plus 1. Donc, ça fait 21. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la petite boutonnière ici. Très simple. Donc, la boutonnière. Donc, on a tourné, on a fait une maille en l'air. Moi, j'ai 15 rangs. Donc, je vais faire 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, je viens monter 20 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Je redescends, je viens sauter, oups, une maille, même pas, je vais à la prochaine et je fais une maille serrée. Voilà comment on rattache la boutonnière. Et on continue et on finit le rang. Avec des mailles serrées.
jusqu'au bout. On n'oublie pas la dernière. On n'oublie jamais la dernière. Ok. On a une maille en l'air et on tire. Hop. On va rentrer notre fil après l'intérieur. Vous voyez ? On a fait notre petit... Et ensuite, voilà comment on va. Hop. Voilà, moi le bouton, après vous allez coudre le bouton. Le bouton, je le mets ici à peu près. Je le mets, alors soit de ce côté, soit de l'autre. Je le mets à peu près à ce niveau-là. Une, deux bandes. On va recommencer. Ici. Vous voyez ? Ici. Une, deux, trois. Au milieu de votre troisième bande. Et là, on va coudre le bouton de votre choix. Une, deux, trois. Au milieu ici. D'accord ? Avec, moi, je couds avec le même fil. Avec le même fil et avec l'aiguille. Vous voyez ? Il faut qu'il soit à ce niveau-là. D'accord ? On a cousu notre fil, notre bouton avec notre fil de coton. Et vous voyez, on vient ici. Là, j'ai mal rentré mon... On ferme. En fait, vous allez le mettre à votre... ou à votre four, vous voyez, à votre four ou à votre... Vous allez l'attacher, comme ceci. Et là, vous allez rentrer votre torchon, qui est ici. Il est où mon torchon ? Il est là. Et voilà. C'est mignon ? Allez, c'est un bon début. On a fait un petit tuto rapide. Eh bien, ça m'a fait plaisir de vous retrouver, même si c'était un petit tuto rapide. Je vais voir de vous en faire encore. J'ai tout goût. On va en faire plein. N'hésitez pas si vous avez des suggestions, des questions, si vous aimeriez un tuto sur quelque chose ou sur autre chose. Je suis ouverte à toute suggestion. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à bientôt. Bon crochet les filles. Au revoir.